Bonjour à tous, c'est Envoi le Roi 89 et Goldo Kiki pour l'épisode 20 de The City. Salut Goldo. Allez. Bah vous voyez, voilà, ici Cube Paradise qu'on va quitter. Je te fais bisous, Cube Paradise. Oh, un tunnel, j'ai trouvé un tunnel. Ouais, que j'ai bâti moi-même. Et allons dans ce tunnel. Juste pour savoir. Oui. Vers New Cube. Tu connais cet endroit? Non. Bah, apparemment, il y a une barrière, donc se dire c'est pas encore accès aux villageois. Mais comme nous, on peut voler, ah ouais. On peut y accéder. Au moment où je te parle, tu regardes le foot ou tu regarderas le foot ou même si c'est les 30 ans du top 50? Moi, je suis plutôt pour le foot. Moi, je suis pour les 30 ans du top 50. En même temps, moi c'est Toulouse, alors tu comprends. Ouais, mais bon, si jamais. Derby de la Garonne. Ouais, bienvenue à New Cube. Excuse-moi. C'est quoi cet endroit? Je te rappelle qu'on est frangin d'un et de deux pour les MC, fait ses 30 ans du top 50. Je sais déjà d'il y a un petit peu une semaine quand même. Bistrot? Il y a un bistrot ici. Regarde, visite cet endroit, regarde. Ah, on est. Discothèque. Apparemment. Donc, on va voir. Ah ouais, sérieux? Et regarde, il y a un fast food. Ouais. Il n'y avait pas de place de parking. Et il y a des résidences. C'est ça, New Cube? Waouh. La vache. Eh bah putain. Rien que ça, ça fait déjà un peu plus que Cube Paradise en taille. Ouais. Et regarde surtout ces routes. Il n'y a pas ça, Cube Paradise. C'est juste des allées piétonnes, là c'est carrément des routes avec des parkings et tout. Sans déconner. Ouais. Ouais, tu me suis, en gros, voilà la discothèque. Ouais, il y a un comptoir pour servir la boisson. La sono avec la hi-fi, c'est bon. Il y a la hi-fi, sérieux? Ouais, la hi-fi, Kono. Ouais, il pourra recharger MP3, j'espère. Bah ouais, tu croyais quoi? Ferme la porte, parce que sinon, quelqu'un va convoyer la hi-fi. Ah ouais? Elle a de la valeur, c'est ça? Ouais, c'est ce que je crois. Attends, le bistrot, ils vont aller visiter un petit peu, ça te dit? Ouais, allez, au bistrot, au bistrot, oh, au putain, bistrot. Il n'y a même pas de barman, tu chies. À qui va appartenir le bistrot? Hein? Bon bah, je le prends et je vais me mettre tout de suite. Ok, donc au pire, tu me laisses en gros discothèque. Voilà. Bon, je. Oui, tu devrais pas remettre. Bonjour barman. Attends, moi aussi je vais regarder. Dans... Ça va barman? Une tequila tout de suite. Allez, bouge-toi. Il peut y avoir des clients qui arrivent. Enfin, pour l'instant, la ville est fermée d'accès, mais bon. Ferme la porte. Petite affaire privée. Ouais. Personnel. Même s'il y a personne à part nous en ville. Faudra que je fasse de sacrés travaux d'ailleurs. Ouais. Je ferai des sacrés travaux. Autant. Ouais. Mais ce sera quoi le prochain épisode d'ailleurs? Tu te mets le foot à la radio. Ce sera quoi le prochain épisode d'ailleurs de. Alors donc, j'ai eu des idées à te proposer. Bon, déjà, tu connais déjà ce qu'on va faire dans l'épisode 23. Hein? En gros, ouais. Donc l'épisode d'Halloween qui sera l'épisode 24. Ouais. Ça c'est les deux épisodes qu'on fait pour le vendredi. T'es d'accord? Ouais. Et donc ensuite, pour l'épisode 23, certes, il sera peut-être pas le vendredi, mais pour le vendredi. Ouais. Okay. Ce sera un truc spécial troll. Ouais. Et donc. Si il sera mis pour le vendredi, ou bien alors le jeudi soir, l'épisode spécial, oui. Troll, puisque le vendredi on met logiquement le truc spécial Halloween. Okay. Et comme c'est celui qui suit, c'est logique. Pour l'épisode suivant, le 21, j'avais prévu, tu vois, je sais pas ce que tu veux, ce que t'as envie. Ouais, je sais pas ce que t'as prévu, mais pourquoi, je suppose que. J'avais une idée de faire une station balnéaire. Ouais, pourquoi pas. Ouais. La vie à la plage, je crois. Ouais. Mais j'ai une question du coup. Rêver. Si on fait une station balnéaire, il faut que la plupart de la ville. Il se peut que la plupart de la ville. Une partie que la ville ait avancé d'ici là, je suppose. Mais c'est pas forcément dans New Cube, hein. Bah, moi je ferais bien dans New Cube, tu vois. Je ferais bien
une bonne station. Regarde, tu vois, à plat, à côté du burger, je ferais bien ici, tu vois, dans cette zone-là, dans ces eaux-là. Tu vois, regarde, dans C'est tout. quoi ce logo? Bah, c'est le logo du burger, B pour burger. Parce que c'est un fast-food, ça n'a pas de nom particulier, j'ai mis un B pour burger, c'est tout. C'est juste pour avoir un logo, quoi. Ah oui. Le logo pour un logo, quoi. Et là, par contre, dans Tu vois, dans toutes ces zones-là, je l'épisode. mettrais une zone Là, dans balnéaire. l'épisode 22, alors là, c'est toi qui vois. Parce que si tu veux, j'avais eu l'idée de faire un truc sur le foot. Mais on va se garder ça pour une autre fois, quand même. Tu vois? Je vais faire une belle station balnéaire tout au bord de cette route-là. Pour, je pense, épisode 22. Qu'est-ce que t'en penses d'ici, tu vois? 21, tu veux dire. Ouais, 21. Parce que pour le Comme 22. ça réussit. Et on pourra, du coup, d'ici le 22, ouvrir la ville. Tu vois? Fin 21, début 22, pour Ouais, ouvrir bon, l'accès à la ville. moi tu vois, D'ici là. ouais, le D'ici le 21, 22. en gros, la station balnéaire. 22, 23, ce sera ouvert, je pense, la ville. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? et là, mais si tu veux, le 22, on ferait l'arrivée des touristes. En gros, comme ça, hein. Ouais, parce Je qu'on aura déjà fait la station te fais un au départ, résumé, hein. par contre, le nom de l'épisode, toi dessus, ça serait ça, tiens. Arrivée des touristes. Bah ouais, parce qu'on aura déjà fait la station à la base. Voilà. On ouvrira la ville et puis voilà quoi. Et puis l'épisode 23, si tu veux, on ferait une soirée disco ou alors dans la discothèque, enfin tu vois un truc qui a un rapport avec la discothèque quoi. Je pense que l'épisode Épisode 21, ça 23. serait bien que ce soit l'arrivée des touristes. C'est ce que Ouais, t'as dit. oui, ouais, Ouais. après ça serait mieux quand même. Et Épisode après. 22, je verrais bien la construction d'un petit aérodrome. Ouais. Ou alors d'un petit circuit, un truc comme ça. Ouais. Je sais pas encore, je verrai quoi. Ouais, Et tu verras. l'épisode 23, ce serait dans la discothèque. Pour Ouais. le troll. Et donc la station balnéaire, on le garde pour l'épisode 25 par contre. Non, mais on commencera. À l'arrivée des touristes, il y aura déjà une plage. Ah, d'accord. Ce sera fait hors tournage. Par contre, si tu veux construire des bâtiments Non, mais particuliers, j'ai rien dit. par exemple, si tu voulais construire un hôtel, par Non, exemple, mais là, je t'ai ce sera rien hors dit. tournage, en fait. Je t'ai rien dit. Je Voilà. croyais qu'on en parlerait dans l'épisode 21. C'est pour ça que je te Par demande. contre, épisode 25, peut-être qu'on fera autre chose. Peut-être une nouvelle station, ou bien alors des améliorations. Ouais, c'est possible, hein. Bon, par Ou contre, bien des ajouts, un agrandissement. ça dépendra ce qu'on fera en gros. Voilà. Ah ouais, donc pour la discothèque, ce sera celle-là justement. Ouais, dans Parce une que cube. surtout, c'est la plus grande. Et puis Faut ça. pas être couillon non Puis la plus. ville, elle est stylée en même temps. Enfin, c'est le début, quoi, c'est sûr, mais bon. Ça, je vais y travailler dessus, Ouais. t'inquiète. Bah, me regarde pas comme ça, Non me mais. regarde pas avec les yeux de Porto, hein. Tu sais que j'aime pas. Non mais. Pour te dire. Quoi? Tu ne taperais pas la radio le foot? C'est une question, je t'oblige pas. Je crois qu'il va falloir que tu demandes au vieux d'abord, hein. Je te veux pas de mal. Et de toute façon, on n'est pas en mode survie. YOLO! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces Bertrand là-haut? YOLO! Quoi, il n'y a pas Goldorak, hein? T'as un problème psychiatrique autour, en fait, hein? Bon, allez, je vais faire un truc comme je fais d'habitude sur GTA. Ouais! Je vais faire un braquage. Je vais aller cambrioler les maisons. Tu sais que la ville n'a pas encore été ouverte. Bon, je m'en fous, je cambriole tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il faut que je le neutralise avant. Non, détends-toi, je blague. Ouais, parce que. Ok pour les braquages, mais attends au moins qu'il y ait des objets de valeur, bordel, quoi. Un minimum, quoi, tu vois. Par Ou. contre, Après, si tu veux violer les. Si tu veux brûler les villageois et violer les tu maisons, il n'y a m'autorises pas à de me faire de la problème. pub? Attends. Tu sais qu'aussi, dès que la ville sera ouverte, si tu veux violer les maisons et brûler les villageois, il n'y a pas de problème, hein. Non, c'est plutôt violer les Ouais, oui, c'est villageois. plutôt l'inverse, oui. Oui? Peux faire de la pub? Ouais? Eh, je blaguais, hein. Ou peut-être Tu me payes pas. combien pour la pub? Ah ouais, donc. Là, je t'ai pas dit, je suis passé à 27 abonnés. Sérieux? Ouais, s'il y en a un qui m'a mis un commentaire comme ça sur ma chaîne directement. T'es passé à 27 abonnés. Et ouais, 27 abonnés. je sais que. Ouais, apparemment 27 depuis aujourd'hui, abonnés. apparemment ce mec qui regarde mes vidéos depuis 3-4 jours.
Donc en gros, si tu veux, depuis que j'ai dit une nouvelle connerie sur Stromae. Donc voilà. Hein. Merci Google. Enfin, c'est pas vraiment une connerie que j'ai dit, c'est plutôt mon jeu de mots. Merci Google. Hein. Pourquoi merci Google? Bah parce que, à ton avis, ça appartient à qui YouTube? Ah ouais, merde. Ça a été racheté par qui, hein? Ok. Ah, messieurs, c'est juste que... Puis c'est. Part ça, je voyais pas pourquoi c'est quoi les recherches mots-clés? À mon avis, il est tombé sur grâce à des recherches mots-clés. Et c'est qui le spécialiste de recherche mots-clés sur internet avec plus de 90% de part de marché? Qu'est-ce qu'il fait lui? Quoi? Je fais de la pub. T'essaies de faire un P? Non, c'est pas un P, ça va être un autre du cul. Et après un P, je suppose. Et après un 5 et un 0. Oui. Mais je me demande. Ah, c'est moche. J'ai une question débile. Quoi? C'est quoi ta question? Tu comptes défoncer les maisons pour avoir assez de place pour marquer top 50? Parce que je me demande la place que ça va prendre en fait. Je commence à me demander jusqu'où t'es capable d'aller pour le placer. Oh, c'est fastoche. Oh, j'en doute. Fais confiance à l'expérience, je doute. Mais bon, si tu le dis, hein. Comment ça, tu doutes? Bah ouais, je doute. C'est jamais arrivé de douter. Oui, je doute. Oui, d'accord, je pense, ça t'étonne, et alors? T'es quand même un méchant. Oui, je sais, je pense. C'est pas mon style de penser, mais je pense. Je sais, ça t'étonne que j'ai un cerveau. Parce que j'ai plutôt l'air de tout noir. Attends, faut que j'agrandisse. Ah bah voilà, tu vois. C'est ça que je disais justement. Je me demandais combien de baraques t'allais défoncer. Ah non, il va falloir que j'agrandisse mon haut. Ah, j'ai cru que t'allais défoncer les baraques. J'agrandisse tout, couillon. J'ai cru que t'allais défoncer les baraques en fait. Je me suis demandé quand t'allais en défoncer d'ailleurs. Non, je comptais défoncer rien du tout, t'es couillon toi. Parce que quand t'as période d'agrandissement, je. Attends. En fait, t'as pas assez de place pour mettre ton 50 sur toi. Ah, attends, j'ai une autre idée. C'est ça que je veux dire par un agrandissement. J'ai une autre idée. Tu vois? Tu vois que t'as pas assez de place pour foutre ton 50 sur ton toit. Et alors, il faut que j'ai tu le réorganises. Une autre idée. Ok. C'est bon, on a compris. Enfin, j'ai compris, moi. Enfin, je pense avoir compris. Bon, d'accord, j'ai pas compris, mais bon. Je veux juste que tu te taises. Ok. Ah, ça n'a aucun rapport, c'est pour nous. Je peux parler d'une nouvelle playlist? Ouais. Bon, j'ai fait le couillon parce que j'ai pas pris de bon bloc. J'ai pris bloc de charbon donc, au lieu de. On va donc parler, si tu veux, de la suite, en gros, de notre play sur The City. Sur Star Cube. Star Cube. Ouais, en gros, j'ai fait le E. Quoi, tu veux le faire plus haut? Un E? Qu'est-ce qui. Pourquoi il me fout un E ce con? Qu'est-ce qu'il parle de E là? Qu'est-ce que je viens me foutre un E? PE Minecraft, Econo. Ah oui, PE, ouais, Pocket Edition quoi. Et donc si tu veux, le truc c'est que tu vois. Comment te dire? Donc en fait. Tu vois, au départ, on était sur la lune. Ouais. Et donc on va se tirer, t'es bien d'accord? Ouais, dans ma fusée, dans la fusée de en vol, on va s'envoler donc, dans l'espace. Oh, jeu de mots de merde. Alors donc, si vous voulez, la map lunaire va totalement être oubliée. Bien sûr, vous avez eu dans l'une des premières vidéos le lien dans la description. Pour savoir où il est, une recherche Google. Une nouvelle map à partir de l'épisode 5. Voilà. Viens voir ce que j'ai fait, s'il te plaît, merci. Je suis occupé, va te faire foutre. Et donc, s'il te plaît, sans prendre le poli. C'est le moins des gens qui m'ont rempli. D'accord, donc, d'accord, j'arrive. Patiente un peu, ça te donc, va. Ensuite, donc, il y aura une map Lost Cube qu'on va débuter je ne sais quand. Donc, si je la retrouve, parce que je sais plus où je l'ai mise. Donc vous savez de quoi ça parlait lorsque vous avez vu la vidéo 19 de la playlist The City. Je tiens à dire que on sait pas quand on va commencer la série. J'essaierai de la commencer dès que j'aurai trouvé la map parce que j'ai tellement de maps
que je sais plus laquelle c'est en fait. Ensuite, je le dis honnêtement, hein, voilà. Je sais plus laquelle c'est. Hein. Ça, mais je l'avais compris. Ah ouais. PE, tiens. Côté, eh, je suis là, je regarde le on truc. A une autre idée de playlist, la playlist donc en gros personnelle à ma manière. Mmh. C'est ma ville à moi, Motor City. Donc voilà, on débutera, mais je ne sais quand. J'essaierai de m'organiser avec Lennon s'il est d'accord. Après, un petit truc Kublot, bon, du style comme la série Kaamelott avec Alexandre Astier, pour ceux qui. Pour ceux qui connaissent, hein. Voilà, un petit avant-goût. Donc, en gros, si vous voulez, c'est le roi le plus fêlé du royaume de Minecraft. Ouais. Et ensuite. Nous aurons droit à une playlist spéciale avec que des mains que nous utiliserons, allez, on va dire, une fois par trimestre, en gros une fois tous les 4 mois. On l'appellerait Adventure PE. Moi je voulais l'appeler Délire Craft ou mais bon, Adventure PE c'est pas mal quand même. Donc voilà, vous avez un peu près un petit visionnaire des futurs projets de Lennon. Et, dont je l'aiderai pour évidemment le développement de sa chaîne avec Minecraft. Mais c'est de la merde! Quoi? Qu'est-ce qui est de la merde? Attends, je me suis chié quelque part. Je vais faire l'eau. Il est fou! Il est fou! Quoi? Il est bon, Victor, en train de faire là! Va essayer de faire un truc! Putain! Vas-y, fais une petite trice sur ton pied! Tu! Ah ouais, putain, c'est vrai, c'est de la merde! Pardon? Je déconne, c'est bon rire! Oh les PNJ, fermez-vous! Gueule! Attends, je vais juste faire un seul, mais c'est pour un homme côte parce qu'il me faut un barman. Autrement, je sais pas comment je fais. Ça marche encore le problème, ok. Voilà, tu peux venir voir et tu vas me dire ça te fait penser à quoi ce que j'ai fait. S'il te plaît. D'accord, dès que tu auras mis ton barman, bien sûr. Putain, la tablette est chauffe. Oh, c'est bien ça, tu bouges pas. Je l'ai entendu d'ailleurs. Ta gueule. Je t'enferme. Voilà. Au cas où il s'enchargeait. Voilà. C'est quoi que t'as voulu faire là? Bah l'euro. Toi la motivation c'est l'argent. Bah oui. Vous savez pourquoi aussi, vous savez pourquoi j'ai fait ça, ce logo? Parce que j'aime l'argent. Tu pourrais faire le dollar? Le dollar? Attends, il faut que je me... Le dollar, c'est un S barré? Ouais. Bah ouais, je vais le faire. Tiens, ce sera... avec deux barres. Ouais, t'as raison. T'as raison, ce sera plus ressemblant que mon signe euro, là, qui est un peu bâtard. Là, ça y est, crise de rire, là. Attends, je vais te faire rire, attends. C'est un truc, tu vois, que j'ai vu sur Canal. C'était le dernier vendredi, mais on avait quoi avant les vacances. Et si tu veux, c'est un truc d'ici 24 heures chrono. Enfin, ouais. Une parodie. Et là, il y en a fait. Rémi, oui, ouvre-toi. Et qui a fait assassiner le président. Bah, il s'en fout. C'est genre quoi? C'est François Hollande. Ah ouais, cool. En général, ça se fait en vert, non? Ouais, mais là, je fais de l'or parce que c'est l'or. D'accord. Par contre, je n'oublie pas les deux barres, hein. Ah oui, mais attends, pour faire les deux barres, je vais les mettre de couleurs différentes pour qu'on différencie le S des barres. Ouais, vas-y, t'es pas chier, Kono. Attends, le bar, les barres... Tiens, je les mets... Tiens, je sais où les mettre. Les mettre là. Attends, les barres, il y a un espace. Ouais, donc ça serait mieux que tu le mettes sur le côté droit et le côté gauche. Par contre, on ne met pas au milieu. Voilà. Ça serait complètement je les mets à même hauteur. Ouais, évite d'en mettre un en bas.
Évite de mettre en bas, ouais. Ça fera moche. Le dollar. Pardon ? Attends, je vais essayer avec un en bas qui permet. Je trouve pas que ça fait moche. Puis ça équilibre, j'ai envie de dire. Ça équilibre. Je vais laisser béton sur ce que j'ai dit. Enfin, de toute façon, avec ou sans, c'est pas hyper beau non plus, faut dire quand même. Mais bon, sinon, différenciez pas alors. Bon, je peux pas mettre la même couleur. Le dollar tout puissant. Tu reprends un truc des Simpsons, toi. Ouais. Attends, maintenant, je vais l'éclairer mon dollar. Attends, j'ai une idée. Tiens, j'ai une idée, je vais l'éclairer dans le sens des barres. Pour ma propre gloire. Personnel, en vrai. L'argent. Mais crois-moi, ils vont me respecter, ces petits cons. Ouais. C'est bizarre, c'est bizarre, je me demande. En fait. Même si le dollar, en fait, c'est. Je me demande, en fait, le logo dollar, c'était moins chiant à faire que le signe rouge. Je me demande lequel des deux était le plus chiant à faire. De toute façon, tout que ça représente l'argent. Puis le dollar, c'est la monnaie la plus utilisée, hein. Donc c'est juste sûr. Juste comme ça, parce que... Voilà, on approche, quoi. Ah, le dollar tout puissant. Oh, toi, on commence pas. Ah merde, ça se colle. Quoi qui se colle? Qu'est-ce que tu fais? Bon, si vous regardez cette vidéo, on vous prévient, on la tourne avec de l'avance, hein. Donc voilà, à cause de l'avance, vous vous dites que c'est qu'on l'a pas tourné exactement le jour J prévu. Ouais, et puis quand même, on tourne une vidéo à 21 balais. Bon, 21 perpètes. Ouais, personne n'aime le lundi. Je publie pas le lundi, moi, de toute façon. T'es tranquille là-dessus. De toute façon, moi, je vais pas publier, là. C'est mieux de publier le mardi, puis j'ai quand même le droit le lundi, quoique non, je crois que je vais pouvoir publier, je vais avoir du temps, je vais publier le soir. En tout cas, c'est sûr, je publie pas. Ce qui est sûr, ouais, pour bon. Comme ça, on pourra tourner plutôt Star Cube, tu vois, c'est mieux. Alors, on vous annonce... Bah, de toute façon, on va dire, vu le manque d'activité de ma chaîne, je pense qu'ils s'en rendront compte que demain que j'aurai publié. Donc, de toute façon, je l'ai mis que l'épisode 20 serait disponible demain. Vous l'aurez donc ce de StarCube, vous l'aurez ce mardi. Ouais, ça c'est sûr. Et là, on vous le confirme. Bah, attends, déjà, je confirme. Ça s'appellera Adios la Lune. Ouais, déjà, j'ai confirmé sur mon truc, je sais plus ce que c'est. Ouais, sur Google Plus que j'allais. Que demain cet épisode serait disponible, on veut le publier ce soir, comme ça j'aurai le temps, je pense que ça devrait passer. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, ça dépend du poids du truc. Si c'est un peu lourd, j'attendrai demain, mais voilà, si ça passe. Pour ta gloire. Ah ouais, stylé, je le vois d'ici, c'est stylé, sérieux. Merci, mec. Ah merde, le thé il est trop petit. Ouais, le thé est trop petit, c'est ce que j'allais dire. Et yeah. Bon, au moins ça m'a permis d'y aller un truc. Par contre, il faut que je te dise un truc. Quoi? Je suis anti Bordeaux. Tant mieux. Tu voulais Sagnol, je l'aime pas. Ouais, ça va être la fin de cet épisode. On va se quitter là-dessus. Puis on se retrouve pour une prochaine fois. Bon, ouais. Non, mais vas-y. Hein, avec ton prénom, mais tous les Williams, c'est des connards en foot pour moi. Allez, ciao, ciao.